Jenkins' truck. Ooh, yeah! Ayoy. Si en plein été il vous arrive d'avoir la nostalgie de l'hiver, voici un moyen très simple pour faire apparaître du faux givre sur vos fenêtres. La seule chose que vous devez vous procurer, c'est de l'urée. Vous l'achèterez chez votre pharmacie. Faites une solution en faisant dissoudre le maximum de ce produit dans le minimum d'eau. Elles font très vite, rajoutez-en. Si au bout d'un certain temps il reste de ce sel dans votre verre, rajoutez un peu d'eau. La solution est prête quand il ne reste plus de produit en grain dans le verre. Avec un tampon doigt imbibé de cette solution, frottez la vitre à givrer jusqu'à ce qu'elle en soit recouverte abondamment. Regardez bien en gros plan et à vitesse réelle ce qui va se produire. Ce feu d'artifice dont vous venez d'être le témoin est une cristallisation plane de ce produit. Suivant la manière de l'éclairer, il peut prendre plusieurs aspects. Ainsi, vu entre deux filtres polarisants et en faisant tourner celui situé devant votre œil, voici ce que vous verrez. Que ces cristaux n'ont que quelques microns d'épaisseur. Si vous voulez conserver cette féerie cristalline sur la plaque de verre, il vous faudra l'isoler de l'air ambiant en empesant la soudure. Pour cela, recouvrez l'ensemble d'une autre plaque de verre. Et à l'aide de rubans adhésifs, bordez tout le pourtour. Vous pouvez agrémenter cet objet en y intercalant un encadrement de papier de couleur et en le posant sur un socle de bois dans une fente. Un ou deux timbres de sonnette, des punaises, le montage des composants se fera sur la barrette de dominant.
plus de la pile à la borne numéro 4 et le moins à la borne numéro 1. Le transistor est un AC128 ou un BC107. La résistance est de 1000 ohms. Les marteaux de la sonnette sont faits d'un brin de fil de fer entouré sur l'axe du moteur. Il est relié à une punaise. Une feuille de plastique souple étirée entre les filtres dévoilera en couleur de même pour cette feuille de plastique à bulles, feuille de plastique à...